Et nous voici partis pour le tirage express du signe des Gémeaux, avril 2023. Signe solaire, lunaire et ascendant. Je vous invite à regarder vos trois signes afin d'avoir un message un peu plus approfondi. Alors pour vous les Gémeaux, prépare-toi au positif, ça va changer. Ben écoutez, c'est plutôt cool déjà comme message. Du coup, pour vous, les Gémeaux, donc il y a quelque chose en fait qui est en train de bouger pour vous. Donc ça, c'est bon signe. Donc je dis c'est bon signe parce qu'en fait, on voit quand même que malgré le fait que ce soit en train de bouger, je pense que vous êtes encore, les Gémeaux, pour ce mois d'avril, un peu replié sur vous-même, qu'il va y avoir. On ressent un état d'esprit, donc la mélancolie, qui peut parler aussi de peut-être de tristesse, de solitude, peut-être que vous allez vous plonger vers des choses du style, enfin des regrets, si j'avais fait ci, si j'avais fait ça. Il y a un peu ce côté où, voilà, on a un peu le cœur, des choses sur le cœur, alors que c'est en mouvement. Hein, les choses sont en train de changer, donc ça c'est plutôt cool. On est sur de la transformation qui est là, mais vous n'êtes pas encore dans cette énergie. Donc il y a peut-être un trop gros focus sur le passé, mais c'est peut-être aussi pour nettoyer et pour pouvoir justement aller vers l'avenir. Et là on est, de toute façon, on est vraiment sur deux cartes identiques, c'est juste incroyable. Donc on voit que vous avez besoin de partager, vous avez besoin d'échanger. Je pense que vous en avez peut-être gros sur la patate, qu'il va falloir libérer ça. Donc je pense que vous avez besoin de vous confier sur des choses qui ont pu vous faire mal ou des choses du passé qui sont là, ou des choses que vous regrettez, ou une tristesse qui est là. Vous avez besoin vraiment de vous confier pour ce mois d'avril, et je pense que c'est ce qui va vous permettre d'avancer. Donc vous avez besoin de partager, vous avez besoin de vous exprimer. En fait, tout ce que vous avez à l'intérieur, il y a besoin que ça sorte pour ce mois d'avril. Vraiment. Et on vous invite vraiment, on conseille à ben, oser, et en plus, le message que j'ai de l'autre oracle, c'est sort de l'ombre. Donc en fait, c'est vraiment ce côté où libérez-vous parce qu'il y a du changement, du positif qui arrive pour vous. Donc libérez cette tristesse que vous avez à l'intérieur de vous. Alors c'est pas qu'elle n'a plus lieu d'être, hein. Il y a des choses qui font mal, qui nous touchent et c'est ok. Mais là, il y a besoin de vous en libérer parce que vous avez droit au bonheur en fait. Et les choses sont en train de changer pour vous, donc croyez-y, ouvrez-vous vraiment. Il faut que vous sortiez de enfin j'ai vraiment cette image qu'il faut que vous cassiez votre coquille, il faut sortir de votre coquille pour pouvoir vraiment aller vers le bonheur. Et donc là, on vous dit vraiment que vous avez besoin de vous lancer, de retrouver cette détermination que vous avez à l'intérieur de vous, ou en tous les cas, d'aller la chercher, hein, cette détermination. Et c'est vrai qu'en message, j'ai la carte sort de l'ombre, qui vous dit vraiment, tu as fini par croire que tu devais te cacher. Or, il est temps pour toi de sortir de l'ombre. Montre ce que tu as de meilleur, d'unique. Fais-nous confiance, tu peux te lancer. Nous sommes avec toi. Donc, on est vraiment sur deux cartes de lancement. Donc, allez-y, hein, vraiment, au mois d'avril, vous pouvez y aller, hein. Déploie tes ailes, c'est la condition première si tu espères t'envoler. Et tu verras, une fois que tu auras goûté la saveur du soleil sur ta peau, tu comprendras que tu es né pour cela, que tu ne t'es jamais senti plus libre et que le reste n'était que mensonge. Donc vraiment, parlez, échangez, confiez-vous parce qu'il faut libérer cette tristesse, cette lourdeur qui est à l'intérieur de vous. Les choses bougent pour vous. En fait, il va y avoir du positif. Donc vraiment, lancez-vous parce que ben, ça sent bon pour vous. Alors bien sûr qu'au mois d'avril, hein, on voit que votre état d'esprit, il n'est pas dans ce lancement, dans cette détermination. Ouais, c'est génial. Vous n'êtes pas dans cette euphorie, vous n'êtes pas encore là-dedans parce que vous avez besoin de libérer des choses. Mais vraiment, ça sent bon pour vous pour la suite. Donc vraiment, enlevez voilà toute cette mélancolie, toute cette tristesse et croyez encore à votre bonheur et parce qu'il est vraiment à votre portée, il n'est pas loin. Donc lancez-vous vraiment, lancez-vous pour ce mois d'avril, vous avez droit au bonheur. Voilà, amis Gémeaux, je vous souhaite un excellent mois et je vous dis à très très vite.